Mag vous est présenté par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Cette émission est enregistrée sur les pistes de Whistler Blackcomb. Bonjour et bienvenue à Ski Mag. Comme vous pouvez le constater, nous sommes de passage à la magnifique station de Whistler. Et pour bien nous conseiller cette fois-ci, j'ai en ma compagnie Steve Donahue, qui est responsable des ventes seniors ici à la montagne, ainsi que mon ancien coéquipier John Smart, un excellent skieur qui va savoir nous montrer tous les secrets de la montagne. John, tu nous amènes où? Bonjour, mon ami! Hey, great to see you, man. Good to see you, too. So we're going to be skiing where? We're going to go all over these mountains. We've got the Wonder Routes that kind of outline all of Whistler Blackcomb. We're going to go to the top of the world, and we're going to go to the gold medal route. And then there's other routes that showcase everything. There's the family routes, there's the powder stashes, there's the steeps route, and there's the longest run that we have, which is size matters route. So there's a lot of Whistler Blackcomb has so much to offer. The Wonder Routes kind of outline everything. Excellent. Look forward to see that and discover again that great mountain. All right, let's go. Tout le monde a entendu parler de Whistler. Plusieurs personnes y reviennent année après année avec raison. Whistler, c'est un peu comme un vieil ami. On le revoit avec plaisir et on ne s'en lasse jamais. Jean-Luc, this is the top of the gondola and we are about to head up the peak chair. This is my favorite chair. It'll take us to the top of the world. Top of the world, sounds good to me. Whistler Blackcomb, c'est le plus grand domaine skiable d'Amérique du Nord avec 3307 hectares. C'est 37 remontées, dont la fameuse Peak to Peak. L'hélice ski de Whistler permet d'atteindre 175 hectares supplémentaires de terrain incroyable. You told me that Peak Chair is one of your favorite of the two mountains. Why? Well, if you look at it, I mean, this, look at what we're going over right now. I mean, it's the steepest, opens up the greatest terrain on the mountain, and a good mix of everything. The couloirs, there's multiple couloirs up here. West Cirque, the Cirque, and then you've got these faces. This is the Whistler Bowl down here, and it's all moguls, because they can't grip it. That's the beautiful thing. Wow, John, c'est super beau ici. This is a beautiful view of the valley. That's the Pemberton Valley, up towards Pemberton that way. You can see all the lakes. This is Alta Lake, that's Green Lake. And that little one over there is Lost Lake. C'est aussi au sommet de Top of the World que vous pourrez voir le fameux Inukchuk qui signifie « à l'image de l'homme ». Mais aussi le Black Toss, qui est une flèche de roche volcanique largement érodée d'une forme rappelant une défense de morse, ce qui lui vaut son nom. Il est situé dans le parc provincial Garibaldi. This bowl is one of the steepest, longest pitches of moguls that we've got on either Whistler or Blackcomb. So it's one of my favorite too. And I think we still got some pretty good snow, so you and I might be able to make it look good still. Go first, please. Yeah, right. Whistler Bowl, c'est un endroit exceptionnel qui est situé juste à côté de Peak Chair, qui est probablement la chaise qui dessert un des terrains les plus abrupts et accidentés en Amérique du Nord. John a été coéquipier de Jean-Luc de 1987 à 1996 sur l'équipe canadienne de ski acrobatique. Natif du Témiscamingue, ses parents ont déménagé à Lions Bay dès son jeune âge. Il s'occupe maintenant des camps de ski Momentum qui se déroulent sur le glacier de Blackcomb tous les étés. Okay, so this is the other side of the mountain here, Jean-Luc. We're going to go into Symphony Bowl. We're going to find some steeps over this ridge.
You can see the flute, where this is kind of an in, out of bound area where you can hike and get some fresh tracks. It's avalanche controlled, but it's not lift service, so you can do a little bit of hiking, but I'm not sure you want to do that today. Yeah, no, we'll enjoy the ski lift, I think. Yeah, let's use gravity to our advantage. I love it. Cheers. Okay, we got some new obstacles for you here, Jean-Luc. John m'a amené du côté d'Harmony Bowl. Lorsque Whistler a décidé d'installer un télésiège sur Harmony, le terrain a augmenté de 2000 acres, ce qui est énormément substantiel. I think it's fair that it's your turn to lead. Yeah, it's going to be a good one, I think. Et le terrain que John a choisi était un couloir qui était tout de même assez intimidant, où certaines roches pouvaient apparaître en surface et qui obligeait un engagement total. Restez des nôtres. SkiMag revient après cette pause avec une visite de Blackcombe. Deuxième journée sur les pentes de Blackcombe, toujours avec John. John, we're going to see something different today. Yes, Blackcombe. And we are going to head to the top of Blackcombe. We're going to hit the couloir. We're going to do the Blackcombe Glacier and see more of the bowls, which is the other side of this mountain. A lot of snow on the winter in Whistler Blackcombe? Yeah, like the 10-year average, I believe, is about 40 feet of snow here. So, yeah, Whistler Blackcombe gets dumped on. Glacier, pente, 12 mètres de neige par année, ski d'été. On découvre tout ça dans un instant. Blackcombe a été combiné au domaine skiable de Whistler en 1997 et s'élève jusqu'à 2240 mètres. Yeah, you remember this, don't you? This glacier actually increased lately. Yeah, you know, over the many years we've been up here, it has been melting out. And so for the last 3 years, which is a real change and surprise to everyone, this glacier has been recovering itself. So it's coming back because we've had such wicked snow years. As long as the glacier and the ice is covered by snow, it'll be preserved. And with so much snow, it'll actually grow back. As we all do when we get to the top of the mountain, we got to look at the weather. And Blackcombe Glacier looks like it's just filled in. That's a beautiful bowl. It's kind of an intermediate terrain that wraps right around the mountain. It also opens up into the Spearhead Traverse and all this backcountry land that Whistler Blackcombe's actually put a program together to get people back there with Extremely Canadian that guides people. And what we want to do, though, is go where it's inbound, and it's some of the best steeps on Whistler Blackcombe, and that's up Spanky's Ladder, which opens up three big bowls with some extreme kind of terrain where you can, depending on the individual, get into some good stuff or some safe stuff. Okay, looks good. We got the light. Nice place. Yeah, we got the light. It's great. Good call, John. Why don't we hit the big one? That's Diamond Bowl.
You ready? Ready. Let's go. Quel feeling de se retrouver devant ce choix de trois boîtes qu'on voit pas nécessairement au début lorsqu'on est en haut? We've got lots of options up here. There's a more open route around that big rock bank, or you can head this way. Okay, back there. Which is nice and steep and more open. We'll give it a try there and see. That might be a little more challenging for us. Yeah. Pour les skieurs qui peuvent se donner de belles émotions, décidément, c'est, ça nous est arrivé. On a fait tous les deux, John et moi, de petites fautes, malgré qu'on est quand même d'assez bons skieurs. Et j'en garde un bon souvenir. Ça faisait plusieurs années que j'avais fait Spankies et ce ne sera pas la dernière fois que je vais y retourner. Woo! All right! Yeah! Entre toutes les roches, la neige est bonne. La neige tient très bien, c'est le fun. C'est à pic. C'est encore plus le fun. Yeah! Yeah. Whoa! Are you okay? I'm all good. Just keep forward on it. I'm doing good. Au rendez-vous du côté, le cafétéria rendez-vous du côté de Blackcomb, gastronomie exceptionnelle. Souvent, on va retrouver sur différents centres de ski le petit côté gastronomie à certains centres de ski. Cette fois-ci, encore une fois, on s'est surpassé. La nourriture est exquise, goûteuse, beaucoup d'accent mis sur tout ce qu'on peut retrouver dans l'environnement au niveau des produits, autant des légumes, évidemment, du vin qui provient de la région de l'Okanagan. Alors, un festin inoubliable. Une fois qu'on a goûté une fois à Christine, on y revient de manière assurée parce que c'est trop bon. Et c'est à l'image un peu de toute cette expérience exceptionnelle qu'est Whistler. Restez là, Ski Mag se poursuit après cette pause. La chronique équipement est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski, Brossard, Laval, Pointe-Claire et Saint-Jérôme. Cette semaine, nous parlons des programmes de location d'équipements pour les enfants, les nouveaux skieurs et ceux qui sont à la recherche de nouvel équipement. Pour une personne qui commence à skier ou qui veut recommencer à skier, qui n'est pas prête à investir dans un nouvel équipement, nous offrons la possibilité de louer l'équipement à la saison ou au week-end avec des bottes, les fixations, les bâtons. Le skieur peut venir chercher son équipement au début de l'année, le ramener à la fin de la saison ou au début de la saison suivante. Le skieur qui veut investir dans un ski qui est quand même assez dispendieux, qui est de haute performance, mais avant de l'acheter, s'il veut l'essayer, nous offrons la location à la journée ou au week-end. Et aussi, cette location-là est déductible à l'achat de la nouvelle paire de skis. On a aussi la possibilité de louer des skis pour aller faire des voyages de ski dans l'Ouest, des skis qui sont plus larges. Pour les enfants qui grandissent vite, il y a deux programmes. Il y a un programme de achat-rachat et un programme de location. Le programme d'achat-rachat est très avantageux pour des grandes familles. Deux, trois enfants qui se suivent de très près. Alors, les skis, on les passe d'un à l'autre. Puis si l'année suivante, on achète un nouvel équipement, donc alors on donne un crédit pour l'ancien équipement. Fait que ça, c'est très avantageux pour des familles de plus de deux enfants. Les familles qui ont seulement qu'un enfant, c'est plus avantageux de louer la marchandise. On loue l'équipement encore
toute la saison. Les gens peuvent ramener l'équipement au début de l'année suivante ou à la fin de la saison. Souvent, les enfants grandissent vite, puis ils vont louer à chaque année un équipement différent. Quelquefois, ils vont garder les mêmes bottes ou le même ski. On a juste à changer la botte ou le ski. Un autre avantage de louer l'équipement pour les enfants ou pour vous, c'est de ne pas être obligé de faire les files d'attente dans les centres de location, dans les stations de ski, à chaque fois que vous allez skier. Comme ça, c'est votre équipement pour toute la saison. Alors, c'est fun. Vous arrivez, vous achetez votre billet de ski, puis, oups, on s'en va en ski tout de suite. En conclusion, l'avantage principal de louer un équipement, c'est que ça va vous coûter la moitié moins cher de le louer que de l'acheter neuf pour la saison. Parmi les nombreuses activités à ne pas manquer, le Zip Trek, une escapade entre des arbres multicentenaires, supposément une expérience à couper le souffle. J'ai hâte de voir ça. Buddy, buddy, so this is your harness. What you're going to do, you're going to put one foot in each of those blue leg loops. And then once you do that, you're going to grab hold of the front of the harness and pull it all the way up to your waist. If it feels wrong, you're doing it right. So we give you complimentary wedgies here at Zip Trek. The helmet on throughout the tour. Let's do it. Merci, les gars. Whenever we open the gate, we'll just get you to turn around so we can hook this onto your back. Tout notre briefing a été basé sur une certaine pression au niveau de l'entrejambe, ce qui me fait un peu peur parce que ma copine me parle quand même d'une après carrière. Alors, ça va être le moment de vérité. Ready, oh boy. All so right. I sit down at yep, the second so step. Walk down the steps normally. Okay, and when I feel the pressure, yep, and away you I go. Just let it go. Yes, sir. All right. See you down there. Woohoo! Super stop. Ça passe vite, ça fait peur un peu au départ, mais une fois qu'on est en action, extraordinaire. Belle émotion. On est dans une forêt millénaire, une des rares forêts pluvieuses, puisqu'il tombe suffisamment de pluie ici pour considérer une forêt pluvieuse, un rainforest, ce qui en fait un des rares endroits dans le monde au nord, disons, des tropiques, où on retrouve une forêt pluvieuse. Les arbres sont millénaires pour certains, car les coupes de bois n'ont pas affecté le bas de la vallée ici. La vallée étant tellement étroite, la grosse machinerie ne pouvait pas s'y rendre. Pour faire en sorte que ce soit très écologique également sur ce type d'arbre, toute l'instrumentation, les câbles, tout ça, est littéralement troué au centre de l'arbre. La raison, c'est que si un câble ferait le tour de l'arbre, ce serait comme un garrot sur la peau. On couperait la circulation de l'arbre, autrement dit. Toute la sève passe davantage sur la croûte ou sur le contour, sur l'écorce, qu'au centre de l'arbre. Donc, en passant une rode d'acier ou de métal au centre de l'arbre, l'arbre, lui, va continuer à pousser et ça va affecter simplement qu'un petit pourcentage de sa superficie, ce qui ne nuira nullement à sa croissance. On pourrait enlever toutes les rodes de métal et il n'y aurait aucune conséquence quant à la forêt. Et ce type de zip trek, c'est un éco-tour. C'est pas seulement de belles émotions en descendant de longs câbles par-dessus des rivières, c'est aussi un moyen d'en apprendre davantage sur cette forêt pluvieuse ici qui caractérise la région de Whistler et qui est un véritable trésor de la nature. On peut venir à Whistler plusieurs fois dans une vie, mais si on n'a pas fait le zipline, il manque quelque chose de bien important. Ça permet d'avoir une communion avec ces natures-là qui est fantastique ici. Quelle belle expérience. Thank you very much, man. Thank you. It was awesome.
Et voilà qui termine notre émission de Ski Mag en direct de Whistler. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Bye! Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker. Chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur. Ski Mag vous a été présenté par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Et par Voyage Gendron, vacances plein la vie. Notre hôte ici à Whistler était et John Smart. Bon, comment c'est? Va toujours faire partie des plans de voyage de bien des gens, et avec raison, c'est poche, malheureusement. Un endroit où les bosses poussent de manière généralisée. Ouais. C'est comme revoir un vieil ami. On se sent à l'aise, on est c'est pas bon, puis lui... Watch this, this is extreme. You're supposed to bomb drop. Et si vous n'êtes pas rassasié par les acres disponibles sur la montagne, vous pouvez aller en Illiski, vous allez retrouver 500 000 acres disponibles pour s'exécuter dans vos plus gros rêves fous, cochons 3X.